Hey! See you on the other side. Hey, man! I'm seeing heavy enemy fire at our drop pad! Copy that, Badger 01. Adjusting your trajectory. Ah! Hold on! Mitchell, close the blast field! Ah! Come on, Mitchell! Now! Mitchell, now! Ah! Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui spécial Advanced Warfare, voilà le prochain Call of Duty. Donc j'ai vu un gameplay exclusif dimanche dernier lors d'une conférence spéciale Call of Duty, et il y a également la conférence Microsoft où ils ont présenté un gameplay, le gameplay que vous voyez justement à l'écran. Malheureusement j'ai pas réussi à choper les images de votre gameplay, mais de toute façon c'était, je vous le garantis, quasiment la même chose sur ce qui était présenté, sur les éléments qui sont importants pour nous. Donc justement je voulais parler du jeu en lui-même. Malheureusement on n'a pas vraiment d'informations multijoueurs, mais je voulais quand même dire quelque chose à ce sujet là, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc justement le jeu c'est une grande première, ça vous le savez, qui a été fait sur 3 ans, contrairement à tous les autres Call of Duty, où c'est, à chaque fois c'était 2 ans, où on avait Treyarch Infinity Ward, et maintenant voilà, Sledgehammer Game, un nouveau studio de création qui vient de rentrer dans la rotation. Donc ça c'est quelque chose qui nous avait donné comme élément, et c'est vrai qu'on avait pu parler aux développeurs de jeux, et ça c'était vraiment très très intéressant, où ils nous avaient justement évoqué le fait que 3 ans pour développer le jeu était vraiment très crucial, l'année de plus était vraiment très très bénéfique. Donc à voir si justement sur le résultat final on va voir une différence, dire ouais finalement ça fait bien que vous ayez un an de plus, ou finalement on va pas voir. Jusque là c'est un petit peu tôt pour le dire, il faut quand même bien avoir le jeu entre les mains pour le savoir, mais on imagine vraiment que un an de plus est vraiment très déterminant sur la création d'un jeu comme Call of Duty, où c'est vrai que pas mal de gens attendent pas mal de choses, pas mal de contenu, pas mal d'innovations, tout en restant bien évidemment Call of Duty. C'est un petit peu le point. Et donc justement, autre nouveauté, et par rapport à Call of Duty Ghost, puisque c'est le seul qui a été fait sur Next Gen jusqu'à maintenant, là, Sledgehammer Games s'est vraiment concentré uniquement sur la version Next Gen, c'est-à-dire Xbox One et PS4, et en alternance, enfin pas en alternance, en parallèle, un autre studio qui s'appelle Hitmoon s'est occupé de la version PS3 et Xbox 360. Bien évidemment, ça sera le même jeu, mais l'important là-dessus à noter, c'est-à-dire que finalement, le studio de création n'a pas 2 ans pour s'occuper de toutes les versions des consoles, mais a 3 ans pour s'occuper de la version next-gen, et un autre s'occupe en même temps de l'autre version. Donc finalement, on peut dire qu'ils auront vraiment avoir beaucoup plus de temps qu'on a l'habitude d'avoir pour s'occuper de Call of Duty et pour nous faire vraiment un jeu qui nous fait rêver et qu'on attend depuis bien longtemps maintenant. Et donc ils nous ont parlé de plusieurs choses qui étaient importantes. Je pense que pas mal de gens vont l'évoquer en disant oui, on dirait tel ou tel film. Effectivement, il y a des inspirations, et ils l'ont pas caché quand ils nous en ont parlé. Ils sont vraiment inspirés sur le mode solo. Alors c'est très important, je parle là du mode solo. Donc ils sont inspirés pas mal de films, de séries. Ils nous ont parlé justement de Breaking Bad, de choses comme ça, parce que pour eux, ce qu'ils avaient vraiment à cœur au niveau de l'histoire, c'est une histoire avec des caractères qui avaient justement du caractère, des caractères auxquels on s'attache. Et c'est vrai que c'est souvent le cas quand on va regarder un film, quand on va regarder une série, on va avoir des personnages sur lesquels on va s'attacher, des personnages sur lesquels on va vraiment suivre l'histoire, et c'est ce qu'ils ont voulu faire justement dans le mode solo, où on va s'attacher. Justement, ils ont même eu un acteur, franchement un acteur grandiosissime, je sais même pas si ça existe, un acteur grandiose, ouais, bref, Kevin Spacey, je sais pas si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez quand même, parce que ça fait un petit moment qu'il fait des films. En tout cas, moi j'adore cet acteur-là, donc ça fait vraiment très plaisir de le voir. C'est vrai que la première fois que j'ai vu le trailer, j'ai vu Kevin Spacey, je peux, ouh, oh, il s'est fait plaisir, et ils se sont fait plaisir également, hein, chez Sledgehammer Game, d'avoir pris Kevin Spacey. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer qu'ils ont à cœur que cette histoire du mode solo est un impact au niveau de l'attraction comme les films hollywoodiens, et on le voit même quand on voit le gameplay, quand on voit le trailer, quand on voit tout ça, on voit vraiment c'est un film hollywoodien, et c'est ça qui va faire plaisir à jouer finalement, de pas voir le film et d'être acteur du film. Et je pense que sur le mode solo il y aura vraiment un plus par rapport à tous les modes solo qu'on a eu jusqu'à maintenant, même si c'est vrai qu'il y a eu une grosse augmentation et les modes solo qui sont joués énormément visiblement. C'est vrai que je joue pas régulièrement au mode solo, mais sauf quand j'ai plus d'internet, je pense que comme pas mal de gens, mais vraiment là on voit qu'il y a eu une implication phénoménale, et je pense que ça vaudrait peut-être valoir le coup de s'y mettre. Alors dites-moi si ça vous intéresserait justement que quand le jeu sorte, je fasse justement le mode solo comme ça, un walkthrough, je sais pas comment on dit exactement, c'est vrai que je fais jamais ce truc là, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire.
Et donc voilà, donc c'était pour parler un petit peu de ça. Donc justement le gameplay, on peut voir dans cette partie-là du gameplay, où il y a quand même pas mal de cinématiques qui présentent justement cette incarnation de caractère. Donc également ce qu'ils avaient précisé, j'ai oublié de le dire, sur toute l'histoire, donc ça se commence je crois à peu près en 2054, et qu'on a sur plusieurs années, où quand on va commencer, on sera un personnage... un noobie, voilà, on a rien du tout, on a un noobie. Mais voilà, il y a l'exosquelette, là l'exosquelette qui fait partie l'armure phare du prochain Call of Duty, c'est dans le futur, voilà, en 2054, on pourrait pas vraiment dire que c'est dans le passé, c'est dans le futur. Alors tous ceux qui vont dire, oui, exosquelette, ils ont copié sur le film Elysium, je crois que ça s'appelle, évidemment... l'exosquelette est un fait, l'exosquelette est quelque chose qui existe, qui est en voie de développement, donc on en voit partout, il y a plusieurs films, il y a même un film justement là qui est au cinéma. Voilà, l'exosquelette est un fait, c'est pas j'ai copié sur tel ou tel film ou sur telle chose, j'ai copié sur la réalité, sur ce qui est en train de se faire. Et justement c'est sur le développement des armes, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça a été la difficulté, pas prendre des armes qui existent déjà, mais aller voir sur les armes qui étaient en cours de développement, les armes qui n'existent pas forcément aujourd'hui encore, ou peut-être, mais les armes qui vont exister demain, mais des vraies armes. Voilà, donc comme avant, on avait la AK-47, donc qui est une vraie arme. Là, ils vont essayer de faire la même chose. Enfin, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas qu'ils essayent. On se doute bien qu'ils réussissent parce qu'on est bientôt quand même à la sortie. Et donc voilà, on commence comme un noobie. Et au fur et à mesure du gameplay, au fur et à mesure du mode solo, on va gagner de l'expérience. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donner un peu plus de dimension au mode solo. Pas simplement, tiens, je fais la mission, elle est finie. Ah, ça fait plaisir, je fasse une autre mission. Non, voilà. Là, finalement, il y aurait vraiment une implication dans le sens où on va avoir le mode solo, où on va gagner des points d'expérience, et après avec ces points d'expérience on va pouvoir améliorer nos compétences, l'exosquelette, sur les mouvements. On peut voir lors du gameplay d'ailleurs qu'on a pas mal de nouveaux mouvements, les déplacements latéraux, les jumps, les super jumps ou plein d'autres mouvements qu'on n'a pas encore vu. On voit également, alors on l'a pas vu dans le gameplay là, mais moi je l'ai vu dans le gameplay qu'on avait vu justement le dimanche, où la glissade qu'il y avait comme dans Call of Duty Ghost fait son retour, et ça fait extrêmement plaisir, je peux vous le garantir, parce que je trouvais que la glissade était vraiment très très utile, surtout en multijoueur, contrairement au saut du dauphin, enfin le saut comme ça qu'on avait sur Black Ops, où j'étais pas vraiment fan, je trouvais que c'était pas forcément utile, sauf que ça avait un petit côté artistique assez sympa. Mais là vraiment, la petite glissade sur les genoux sur laquelle on peut tirer, refait son retour, en tout cas sur le mode solo, à ce qu'on a pu voir, mais on imagine que sur le mode multijoueur ça puisse faire son retour également. Et donc voilà, on gagne des points d'expérience, où on peut avoir on augmente nos points de compétences, nos déplacements, etc. Et au final on va finir sur la dernière mission comme un guerrier expert. Donc voilà, finalement il y a quand même une croissance, voilà, quelque chose de plus interactif, ou avec une petite croissance, et ça rendra, je pense, le mode solo beaucoup plus sympathique à jouer, beaucoup plus interactif, et justement beaucoup plus intéressant pour tous ceux qui ne jouent pas au mode solo, se dire tiens, finalement je testerai bien le mode solo, il y a vraiment une petite valeur ajoutée là-dessus. Donc voilà, c'était pour parler de ça. Et justement, parlons en lui-même du gameplay, parce qu'effectivement, même si on n'a pas d'informations sur le multijoueur, on peut voir des premières images de comment va être le jeu, à quoi va-t-il ressembler, un bon petit sneak peek qui nous permet de nous mettre des images sur les idées qu'on avait, parce que c'est vrai, jusqu'à maintenant on se demandait un petit peu à quoi ça va ressembler. Maintenant on le sait, on est fixé. Et pour ma part, je suis quand même relativement agréablement surpris par rapport au résultat. Peut-être que plusieurs personnes vont être un petit peu sceptiques en se disant « ça fait bizarre, c'est pas pareil », mais je trouve que les améliorations justement sont très très intéressantes. Premièrement, quand on regarde les couleurs, quand on regarde les contrastes, je trouve vraiment très bon, très prononcé. Contrairement à Call of Duty Ghost, où c'était un petit peu plus fade, en tout cas pas à mon goût, parce qu'après chacun ses goûts, en tout cas pour le mien, c'est ce que je vous explique. C'est de toute façon tout le but de la vidéo, vous l'avez compris, c'est mon avis, mon ressenti. Alors après, peut-être que chaque personne a un avis ou un ressenti un peu différent. En tout cas, je vous explique le mien pour avoir vu deux gameplays différents, celui-ci et un autre. Et donc justement, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus prononcées, les contrastes sont vraiment mieux réussis, et qui rend le jeu finalement beaucoup plus agréable visuellement. Et ça, c'est vraiment un très très bon point. Et également, grosse amélioration, c'est vrai qu'au niveau du son, il y a eu un énorme travail qui peut vraiment se ressentir. J'ai eu la chance de voir le gameplay sur des grosses enceintes qui émettent du bon son, et je peux vous garantir que l'émotion est là. Il y a vraiment une bonne intensité dans le son, on sent vraiment la profondeur du gameplay et l'impact. Et même si on va voir l'arme qui utilise un silencieux, le silencieux rend vraiment bien lors du gameplay. Donc je peux vous garantir qu'à ce niveau là le son, ça va vraiment mettre dans l'ambiance, et c'est un point positif. Également, on peut voir que l'ATH a changé, et c'est pas un mal honnêtement, parce que je le trouve vraiment bien design. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, de l'ATH. Est-ce que vous trouvez que finalement c'est un petit peu bizarre, que ça ne corresponde pas à l'ATH traditionnelle qu'on va avoir sur Call of Duty
Donc ça sera en bas à droite ou une autre partie de l'écran, où là finalement c'est comme un hologramme qui se situe sur l'arme, mais je trouve qu'au niveau de la visibilité est vraiment très bonne, où on se rend bien compte du niveau de balle qui nous reste, on se rend bien compte des explosifs, de tout ça, et finalement voilà, un petit point que j'aimais vraiment bien sur ce gameplay, c'est la TH. Alors je sais pas si vous, dites-moi votre avis, mais c'était mon petit point positif par rapport à ça, j'ai trouvé ça sympathique. C'est vrai quand finalement quand on fait un petit bilan du gameplay, même si ce n'est pas le multijoueur, comme j'ai dit c'est le mode solo, ça peut nous donner déjà une petite apparence de à quoi ressembler le multijoueur, et au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, au niveau du son, au niveau de la TH, c'est vraiment un bon début pour moi. Alors c'est vrai que quand on va regarder le gameplay, on va voir de l'exosquelette qui va faire des mouvements, des jumps à droite, à gauche, on va voir aussi les grenades. Alors ça je sais que ça va faire peur, les grenades où tu peux sélectionner ce que tu veux, tu la jettes, elle va cibler l'ennemi, elle va l'exploser, ou elle va découvrir, on va voir tous les ennemis qui sont découverts. Alors je sais que pertinemment il y a pas mal de gens qui vont dire ah, j'espère que ça va pas venir dans le multijoueur, ça fait peur. On n'en sait rien. Et effectivement, personne ne sait. Je me souviens même de la conférence, il y a un mec qui a voulu poser une question de multijoueur et il s'est fait un petit peu engueuler parce qu'on lui a dit non, pas de multijoueur. Donc malheureusement, on n'a pu rien savoir là-dessus. On ne sait pas ce qu'on peut se dire. Et moi, mon avis par rapport à ça, je me dis... peu importe, même si on peut le faire dans le multijoueur, même si on peut avoir cette grenade, ou peu importe ce qu'on a de toute façon dans le multijoueur, ce qui compte pour moi, c'est la balance, c'est l'équilibre. Peu importe ce qu'on va nous mettre, si on peut le contrer derrière... c'est pas grave, puisque finalement, ça sera pas si gênant que ça. Contrairement à certaines choses, des fois qu'on a, je ne citerai pas le chien, mais je l'ai fait trop tard. Mais le chien qui est là, qui est un killstreak, bon voilà, qui fait son tof. Mais finalement, comme t'as rien pour le contrer, t'as pas un atout qui dit tiens, le chien finalement va pas venir te chercher pour te buter. C'est frustrant, c'est énervant parce que tu ne peux pas contrer la chose. Donc finalement, peu importe ce qu'ils nous mettent dedans, n'ayez pas peur en disant ouais, la grenade, derrière, s'ils mettent quelque chose pour le contrer. C'est pas grave, c'est du tout bon. Voilà, donc c'était tout à peu près pour mon analyse sur le gameplay, sur ce qu'on a pu voir premièrement de Advanced Warfare, le prochain Call of Duty. Bilan plutôt positif pour ma part, c'est vrai que je suis assez satisfait sur tout ça. C'est une grosse nouveauté, c'est vrai qu'ils prennent pas mal de risques en ayant un Call of Duty complètement nouveau. C'est vrai qu'on a eu la guerre moderne, on a eu la guerre ancienne, tout ça qui est des choses qui existaient, qu'on voit à peu près partout. Là, ils partent boum sur la guerre futuriste. Je pense qu'ils ont vraiment à cœur d'avoir leur propre identité par rapport à Infinity Ward où c'est la guerre moderne, par rapport à Treyarch où c'est un peu plus, un peu moins moderne. C'est vrai que bon, avec World at War, avec Black Ops qui était dans les années, si je me souviens bien, 70, prend un peu la guerre du Vietnam, et où Black Ops 2 par contre lui était un peu plus futuriste mais sans être trop guerre moderne. Voilà, c'était un petit peu un mélange des deux, et finalement là ils ont vraiment voulu attaquer directement, boum. On est dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on l'attend justement avec impatience de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le multijoueur nous réserve. Je pense qu'on est tous là un petit peu à se dire sur quoi on va passer ou ne pas passer des longues heures de jeu. De toute façon, on a déjà une bonne idée de à quoi ressemblera le jeu. N'hésitez pas à partager vous vos idées, vos ressentis par rapport à tout ça. Et une autre question reste en suspens, à savoir, c'est vrai qu'on a le multijoueur, on a le mode solo, mais par exemple sur Ghost, on a les aliens, là, le mode extinction, sur Black Ops, on a le mode zombie. Qu'est-ce qu'ils vont nous fournir, Sledgehammer Game, là-dessus? C'est vrai que c'est la grosse question qui reste en suspens. On n'a eu aucune information là-dessus. On se doute bien qu'ils vont créer quelque chose, parce qu'on sait bien que ça vient comme un trio. Alors, il y a des petites rumeurs qui traînent, comme peut-être un cyborg zombie. Voilà, donc comme des zombies robots. Mais bon, c'est dans les petites rumeurs. Alors, on sait bien ce que c'est, les rumeurs. Mais finalement, je pense que l'idée serait pas mal, surtout pour les fans de zombies qui seraient un petit peu délaissés, qui attendaient un jeu de Treyarch cette année pour avoir du mode zombie, vont devoir attendre jusqu'à l'année prochaine. À voir qu'est-ce qu'ils vont nous servir, nous, cette année, et est-ce que ça va combler justement les fans de Call of Duty, surtout qui sont fans du mode zombie, à savoir est-ce que ça va combler justement leur envie de jouer. Voilà, donc c'était tout pour cette analyse et mon avis par rapport à ce prochain Call of Duty. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager vous votre avis, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la première fois ce gameplay, le trailer. Donnez-moi justement vos détails, parce que c'est important, c'est pas de dire ouais, ça pue la merde, ouais, c'est génial. L'important, c'est un peu de détailler qu'est-ce qui vous a plu le plus et qu'est-ce qui vous déplaît le moins. Le plus, surtout, peu importe, voilà. À noter encore une fois que c'est du solo, c'est pas du multijoueur, parce que ne faites pas l'amalgame. On sait très bien que dans le mode solo, il y a toujours plein de choses très poussées pour justement rendre ce côté plus hollywoodien, plus de film. Mais en mode multijoueur, ça devient un peu plus raisonnable, parce qu'on sait très bien que sinon ça vient vite le bordel et la merde. Voilà donc. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai déjà dit tout ça, on va pas le répéter. Un petit pouce vert, en tout cas, ça fait plaisir, c'est la récompense. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Et pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, bref, ce qui se passe. Et je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.
Mitchell, over here. Give me charge. Okay, time to give me. Ah! Damn, I see my arms going. You fool! Don't worry about that time. One more time. Pull! Lift it off. You gotta go now. Mitchell! We're out of time! You gotta jump! Now! It's okay. I'll see you on the other side. I need immediate medevac. Hold on. Stay with me. You're gonna be all right. We're gonna get you home.